Salut à tous les amis, c'est SRT102. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de config IRL dans PC Simulator. Et du coup, aujourd'hui, on va avoir un truc encore plus fou. J'ai un abonné qui est venu carrément sur mon Instagram qui m'a envoyé sa config gamer et qui m'a dit: Hey, tu pourrais le faire en vidéo histoire que je voie à peu près ce que ça donne. Donc, on est sur une config à peu près 1633 €. Je donnerai mon avis personnel sur sa config à la fin. Et puis, sur ce, on va la monter. Donc, déjà pour l'alimentation, on est parti sur une Corsair RM750. C'est vraiment du lourd. Une alim à 130 €. C'est vraiment très, très, très cher pour une alim. Et bon, après, c'est même overkill. Mais, genre, vraiment très, très overkill pour sa configuration. J'espère au moins qu'il va la garder au moins 10 ans, son alimentation. Après, du coup. On va passer aux pièces un peu maîtresses. Donc après, on va voir une carte graphique. Ça va être la RTX 2060 de chez Strix. Voilà, le modèle Asus. Voilà, donc c'est overclocké d'édition. Après, on va avoir un processeur. Ça va être le Ryzen 3600. Donc c'est le même que le mien. La RAM, c'est de la Corsair Vance RGB Pro en 3200 MHz. Voilà, c'est un kit de RAM assez haut de gamme, mais le prix est plutôt correct, on va dire. La carte mère, c'est exactement la même que la mienne, c'est la MSI B450 Tomahawk Max. Voilà. Le boîtier, c'est le Kolynx Observatory. Il est vraiment sympathique, mais il n'est pas dans le jeu, donc on va l'adapter avec un boîtier de chez Corsair qui y ressemble. Pour le stockage, par contre, il est vraiment abusé sur son PC gamer. On a un M.2 de 1 Tera, donc c'est le Corsair MP510, voilà, avec des débits vraiment très corrects. Et puis à côté, on a 2 x 4 Tera de disque dur. Alors là, j'aimerais bien qu'on m'explique à quoi ça sert en 2020 d'avoir 2 x 4 Tera de disque dur, surtout que ça m'a l'air d'être un PC gamer, hein. Donc, je sais pas, peut-être qu'il veut faire des raids chez lui pour rigoler, mais vous savez qu'avec des disques durs, 1 Tera, c'est possible aussi. Bref, du coup, il a 8 Tera de disque dur plus 1 Tera en M.2. Bah dis donc, ça fait une sacrée truc. Et tout ça, c'est refroidi par un Corsair Hydro 100i. Voilà, c'est plutôt pas mal, assez agressif comme config. Et du coup, ça va donner tout ça, voilà. À peu près, hein, bien entendu. Et c'est assez sobre au final. Hein, je trouve quand même que sur le jeu, ça rend assez sobre. Du coup, la carte graphique, j'ai dû mettre une 2060 Super pour adapter. Mais bon, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure qu'on va la monter. Donc, je vous propose qu'on commence le montage directement. Voilà, donc le boîtier, je vous ai dit, c'était un Corsair. Voilà, donc c'est le Crystal Series 570X. Voilà, donc il est vraiment sympathique. Il est vraiment très très bien travaillé, tout ça. C'est pas mal. Hop, après, on enlève les vitres du dessus parce qu'on va en avoir besoin de les enlever pour après, pour mettre le water cooling. Hop. Voilà, comme vous pouvez le voir déjà, c'est assez sobre. Je vais allumer la lumière quand même. Parce que... Bon, la lumière, elle éclate les yeux, hein, très clairement dans le jeu. Du coup, hop, on va démarrer avec la carte mère directement. Donc, c'est la B450 Tomahawk. Voilà, elle est juste ici. Pire allure, la petite carte mère. Et il est vraiment sympa cette carte mère quand même. Je dis pas ça parce que j'ai la même, mais bon. Après, du coup, hop, le processeur, on a le 3600. Paf, on le met là. Hop. Moi, bon, je pense que c'est une config assez puissante en réalité. Vraiment, ça doit être assez équilibré, hein. Bon, après, ça fait certaines pièces qui sont un petit peu dingue, on va dire. H. Donc, ici, on a que le H115, mais bon, en vrai, c'est kiff-kiff, il n'y a que la taille qui change. C'est tout, hein, très clairement. Hop, pour le stockage, le petit MP500, parce qu'on n'a pas le MP510 dans le jeu. Et ouais, faudra peut-être qu'il fasse une petite mise à jour, quoique ça vaut peut-être pas non plus le coup de ouf, juste de mettre à jour les débits. Donc nous, on est obligé de passer sur la 2060 Super. Voilà, donc ça reste une carte monstrueuse. Et pour ceux qui se demandent si le refroidissement il a une différence par rapport à celui d'une 2080 par exemple, et bah vous allez voir déjà que RTX 2060, en fait là elle a les pales normales, oui, genre elle a les mêmes pales que si vous prenez par exemple les anciennes
Les anciennes 1080, elles avaient les mêmes pales, et en fait aujourd'hui, maintenant, à partir de la 2070, les pales elles ont changé. Comme ça rentre plus d'air, car sur celle-là, les pales elles sont pas pareilles que sur la 2060. Bon, c'est un détail que je vous explique comme ça, parce que c'est bon à savoir en réalité. Et du coup, les nouveaux ventilateurs qu'ils ont intégrés dessus, ils ont un système anti-poussière, donc en gros, leur forme leur permet d'éviter que la poussière elle rentre à l'intérieur. Mais la 2060 super n'en profite pas, ni la 2060, c'est quand même dommage. Voilà, j'ai sûrement appris quelque chose au passage d'ailleurs. Et hop, les 4 Tera de disque dur, voilà, c'est vraiment abusé en réalité. Hop, alimentation, on va mettre les petits 750 watts de notre Corsair 750X qui est juste ici. Voilà, et là il y a tous les câbles qui viennent s'y mettre, ça va vraiment archi vite. Et ce qu'on a oublié, c'est de mettre les petites barrettes de RAM. Alors pourquoi je les mets en dernier? Parce que j'ai un petit truc à vous expliquer là-dessus. C'est que les Corsair Vengeance RGB, dans le jeu, elles n'existent pas en 3200 MHz. Donc on va devoir prendre celles à 4000 par exemple, et puis on va devoir leur réduire leur fréquence. Bon, moi je prends les 3600. Histoire d'avoir, comment vous dire, une petite idée quand même de ce qu'elles valent en réalité. Bon, je tiens aussi à préciser que le score de la carte graphique ne sera pas à prendre en compte en réalité, puisque, comment vous dire que malheureusement, en réalité, la carte graphique là est beaucoup beaucoup plus puissante que si c'était une 2060, donc le score final ça se rapprocherait plutôt d'une Founders Edition. La Founders Edition, on va la tester juste après. Pour l'instant je vais varier l'éclairage, installer les benchmarks, et puis ça me paraît bien bon, on clique sur redémarrer. Comme d'habitude dans le BIOS on va activer le petit XMP, voilà, je pense que vous êtes au courant maintenant. Pour rester appuyé sur supprimer, on rentre dans le BIOS et puis là on active, et ben non, on l'active pas le XMP, puisque nous ce qu'on veut c'est monter notre RAM à 3200 et pas à 3600. Appliquer les modifications et redémarrer, c'est bon, ça va redémarrer directement. Donc là vous avez vu que le score il était à 8118, voilà, donc le score du processeur il va rester identique bien entendu. Et puis, par contre, la carte graphique, c'est censé changer. Je vais garder celui-là avec la couleur. Non. Je vais pas garder celui-là avec la couleur, parce que ça, c'est censé être pareil de toute façon. Tac. Non, je suis dit. Voilà. Donc là, c'est assez sympathique. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est mettre un ventilateur RGB aussi au fin fond du boîtier. Et là du coup on a une config vraiment sympathique pour du noir et du rouge, vraiment elle est très très belle. Paf. Et là du coup on démonte notre petite RTX pour voir un petit peu le score qu'elle devrait avoir normalement. Et hop, on prend la 2060 Founders Edition qui sera beaucoup beaucoup plus proche du véritable score. Bon là vous voyez déjà que ça fait un sacré changement dans les couleurs, hein. Vraiment ça fait un choc même. Puis après on pourrait tout mettre en vert comme ça. Il y en a qui aimeraient certainement pas, d'ailleurs ça brille un peu trop, hein, très clairement. Voilà, ça fait bizarre, je vous l'avoue. Paf. Et du coup, on va lancer notre petit benchmark. Donc là, vous allez voir, vous avez vu ce que donnait cette config, voilà, elle est vraiment sympathique de ouf. On va peut-être fermer les portes parce que... Sinon, ça fait un sacré courant d'air dans la chambre, hein. Je vous raconte pas là, le bureau, il tremble dans tous les sens. Plus, il s'envolait avec 4 ventilateurs à l'intérieur, c'est des ouf. Non, je rigole, en réalité, ça ne change rien du tout. Bon, par contre, avec la vitre dans ce jeu, ils ont peut-être fait 2-3 reflets, mais bon, ça reste malheureusement assez pas terrible au final. Voilà, donc, à mon avis sur sa config, personnellement, je trouve que le stockage est un petit peu trop, prend une part trop importante de la configuration, puisque si on enlève juste la part stockage de son truc là, bah on tombe à 1200 euros déjà.
Voilà, vraiment, ça fait déjà 400 € juste pour du stockage. Ça fait vraiment beaucoup, hein. Je sais pas si il se rend compte un petit peu de la bestiole. Après, un water cooling gros comme ça, c'est surtout pour le style. Et vraiment, ça va vraiment très très bien avec son kit de RAM. Voilà. Après aussi, l'alimentation est vraiment trop trop grosse. Vraiment, mon gars, prends une 650 watts à la limite. De chez Corsair si tu veux, parce que t'as l'air de bien aimer Corsair, mais déjà t'économiseras énormément d'argent, mon gars. Même si tu voudrais une modulaire, ouais, bon, la modulaire elle coûte que 20 € de moins. Bon, j'ai envie de te dire que 20 € c'est déjà 20 €. Et puis même là, il y a la RM normale qui est en 80 plus gold, voilà, donc c'est exactement pareil. Le seul truc c'est qu'elle a la version, c'est la version précédente, voilà, et ça va te permettre de gagner un sacré paquet de fric, mon pote. Parce que là, t'as déjà gagné, ouais, facilement, t'as gagné 30-40 € bientôt, juste avec l'alimentation. Et celle-là, je peux déjà te dire qu'elle va te faire très très longtemps, mon pote. Après, le kit de RAM, c'est un très bon choix. Et vraiment, la carte mère, bah, c'est moi qui te l'ai conseillé, donc je vais pas dire qu'elle est nulle. Le boîtier, c'est une valeur très sûre, voilà, donc je compte aussi. Je compte aussi sur toi pour essayer de le commander dès que tu peux, parce que vraiment, il va bientôt disparaître du marché normalement. Et ça risque d'être tendu après. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous conseiller là-dessus. Et puis pour moi, le M.2 de 1 Tera, à côté, je mettrais peut-être le MP510. Il est vraiment top, par contre, ça c'est clair. Après, pour son prix, c'est peut-être pas le meilleur non plus, hein, il y a meilleur. Je conseille le Sabrent, éventuellement, pour des conseils de config pur. Hein. Je conseille le Sabrent, voilà. Mais bon, c'est clair que pour sa config de base, je vais pas tout de suite lui dire de tout changer. Parce qu'en général, quand on se fait sa propre config, on préfère avoir ses propres composants. Et ça se comprend parce que quand tu viens de faire une config et qu'on te dit bah non, faut changer ça, faut changer ça, faut changer ça, faut changer ça, t'as l'impression qu'on te reproche quelque chose au final. Et c'est pas totalement faux. Après, ce que je peux te conseiller si t'as pas encore acheté ta carte graphique, la RTX 2060 Super est vraiment pas chère au-dessus. La Strix, vraiment, elle est très abordable par rapport au prix déjà de la 2060 Super. La 2060 tout court, pardon. Là, regarde, la 2060 que j'ai mis, elle est à 459 €. Si éventuellement tu as 40 € de plus que tu as économisé sur l'alimentation, mais elle est là-dessus, hein, parce que là, tu auras 8 Go de mémoire et puis elle sera beaucoup plus performante. Voilà, je pense qu'il va regarder la vidéo, donc je préfère dire des conseils comme ça. Voilà, donc à mon avis, ouais, il aurait mieux valu partir là-dessus et gagner de l'argent sur autre chose, sauf si tu as déjà acheté. Mais sinon, ton processeur par exemple, il est excellent, il va vivre plusieurs années, et puis tu pourras mettre l'équivalent d'une 2080 Ti dessus sans que ça la bride, et ça va être vraiment génial. Allez hop, du coup, pour les performances brutes de la bestiole, ouais, toi sur un alentour de 7000 points de total, ça va être assez sympathique. Bon, après, je te déconseille de le mettre en vert parce qu'on vient de voir que c'était vraiment pas sympathique du tout. Hein. En vert, ça fait vraiment glauque. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Je sais pas, moi j'aime pas. Enfin, peut-être qu'il y en a qui aiment bien. Hein. S'ils aiment bien, ils disent moi j'aime le vert dans les commentaires. Et puis voilà. Mais moi, je préfère le rouge personnellement. Le rouge est beaucoup plus sympathique. Après, c'est à chacun de voir un petit peu. Voilà, donc j'espère que cette config autour de 1600 € vous aura plu. J'ai fait mon petit esprit critique un petit peu comme d'habitude sur certaines pièces. Voilà, donc il m'a demandé cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, petit like. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Voilà, donc j'insiste là-dessus parce que ça aide vraiment la chaîne de voir à peu près combien de personnes suivent régulièrement les vidéos. Je sais que les vidéos hardware en général, j'ai à peu près une centaine de vues. Donc là, après, comme c'est pas vraiment une vidéo hardware, va pas y avoir 100 vues là-dessus, je pense. Mais bon, après, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est simple et efficace avec le petit bouton juste dessous. Ça aide aussi la chaîne, mine de rien. Puis partager la chaîne tout court aussi, ça aide aussi pas mal. Mais du coup, on va se retrouver très rapidement pour une prochaine vidéo sur je sais pas trop quel sujet. Et puis, bah, en attendant, portez-vous bien et puis moi, je vous dis salut à tous.